On débute ces news avec la grosse mise à jour du site Xbox.com. En effet, le site profite d'une petite refonte visuelle, l'accueil est maintenant plus dynamique et en un coup d'œil, vous pouvez voir votre avancée mais aussi celle de vos amis et les succès qu'ils ont déverrouillés. Les autres onglets profitent eux aussi de cette mise à jour, vous pouvez ainsi voir les jeux et applications les plus populaires, les succès ou encore envoyer et recevoir des messages de vos amis. Vous pouvez aussi changer votre gamer tag depuis le site et l'aide du site a évolué pour vous proposer toujours plus d'options. Voilà un site remis à jour pour vous offrir toujours plus de services. On continue chez News avec l'annonce du tout nouveau FIFA 16 et quelques images du trailer qui fait sensation. Intitulé « Nous sommes dans le jeu », cette vidéo présente les équipes féminines et ses plus grandes stars. Grosse nouveauté du jeu, le foot féminin sera en effet à l'honneur dans ce nouvel opus. Même si les matchs mixtes ne sont pas encore permis, on se réjouit d'avance de cette belle originalité. De nouvelles images de Mad Max le jeu sont sorties, le jeu de Warner Bros. Games profite d'un nouveau trailer tout aussi explosif que le jeu. Prévu pour le 3 septembre, Mad Max ne reprend pas directement l'histoire du film, mais l'ambiance y est bien présente. Préparez-vous le 10 juin pour la sortie en même temps que le film de Lego Jurassic World. Si vous souhaitez tenter l'aventure, sachez que le jeu est déjà disponible en pré-téléchargement. Il t'entaille ici ou ici ? Il t'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore. Comme d'habitude, cette semaine, la Xbox One a eu son lot de sorties, dont Rogue Legacy. Ce roguelike généalogique vous offrira une expérience unique. The Evil Within Digital Bundle vous permettra de vous essayer à ce jeu d'horreur avec tous les contenus supplémentaires disponibles. Si vous avez envie de vous faire une bonne petite peur des familles dans un survival horror digne de ce nom, c'est le moment. Comme promis, The Witcher 3 profite de deux nouveaux DLC gratuits et téléchargeables dès maintenant. Vous aurez accès à une quête nommée Contrat Mineur Disparu, ainsi qu'une apparence alternative pour Yennefer. Pour en apprendre un peu plus sur The Witcher, un focus et des conseils vous attendent. Evolve, quant à lui, profite d'une nouveauté avec le mode Arène. Le but de ce nouveau mode est d'aller plus vite. Avec l'Arène, Evolve profite d'un mode plus compétitif lié à son arrivée dans l'e-sport avec l'ESL. La finale de ce tournoi international aura lieu à Los Angeles le 17 juin avec 100 000 $ à la clé. Les bons plans gold de cette semaine sont tout aussi explosifs. Call of Duty Advanced Warfare profite de 33% de remise sur la version Digital Pro. De même pour Scream Ride. Et le terrifiant Alien Isolation, quant à lui, profite de 60%. Pour ce qui est des Game with Gold de juin, sachez que la liste vient de tomber. Pour la Xbox One, l'excellent Massive Chalice sera gratuit pour les membres Gold. Dans ce tactical RPG, vous prendrez le contrôle d'un royaume dans la peau d'un roi immortel. Le but étant de durer dans le temps et d'assurer la descendance de vos troupes pour créer de puissantes lignées. Pool Nation FX sera lui aussi gratuit sur Xbox One. En ce qui concerne la Xbox 360, deux jeux Square Enix seront à l'honneur avec Just Cause 2 et Thief. Si vous souhaitez toujours plus d'infos, rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne Xbox FR. N'hésitez plus non plus à vous abonner et à partager. En attendant, bon jeu à tous et à bientôt.